Comme promis, dans cette vidéo, on va appliquer la formule établie dans la vidéo précédente à un exemple pratique. Je reprends donc la formule en question. Delta D est égal à VI fois delta t plus a divisé par 2 fois delta t au carré. Alors on va reprendre aussi notre falaise de 500 mètres de haut et le galet qu'on avait. Initialement, ce galet est en position égale à 0 et à la fin, il est à moins 500 mètres. On sait donc que son déplacement est égal à moins 500 mètres. Dans cet exemple, on ne lâche pas simplement le galet, mais on le lance en l'air. Il va donc monter et ralentir sous l'effet de la pesanteur. Au sommet de sa trajectoire, sa vitesse s'annule, puis il redescend en accélérant vers le bas jusqu'à atteindre le sol. Sa vitesse initiale, VI, est de 30 mètres par seconde. Alors, comme le galet va initialement vers le haut, la vitesse est bien positive. Enfin, on connaît son accélération, c'est tout simplement celle due à la pesanteur, qui attire tout objet vers le bas, ou du moins vers le centre de la Terre. On l'arrondit à 10 mètres par seconde carré. Et on lui met un signe moins, car cette accélération se fait vers le bas, donc dans le sens opposé au sens positif conventionnel. Dans la vidéo numéro 2, on a vu que pour calculer la vitesse finale, on pouvait utiliser cette formule, vf au carré égale à vi au carré plus 2a fois delta d. Mais là, j'aimerais te montrer comment utiliser la formule établie dans la vidéo numéro 3, c'est-à-dire celle-ci. Cette formule va nous permettre de calculer le temps nécessaire au galet pour atteindre le sol, c'est-à-dire delta t. Alors je vais copier la formule ici, comme le temps initial est 0. Je vais remplacer delta t par t, car ça va nous permettre de simplifier l'écriture pour la suite. Et puis maintenant, je remplace les données connues par leurs valeurs. Alors, on obtient donc moins 500 égale à la vitesse initiale, donc plus 30 fois t, et ensuite on a plus a divisé par 2, donc l'accélération. L'accélération, on a dit qu'elle était égale à moins 10, donc moins 10 divisé par 2, ça nous fait moins 5. Donc on a moins 5t au carré. Alors comment résoudre cette équation Nous on cherche t. Alors je suppose que tu as déjà vu les équations du second degré. Si ce n'est pas le cas, va sur Khan Academy, il y a toutes les vidéos nécessaires pour apprendre à résoudre ce type d'équation. Si tu as besoin de rappel, fais pause et va voir ces vidéos. En tout cas, voici comment on va faire ici. Donc on va rassembler tous les termes du même côté, ce qui nous fait 5t au carré moins 30t moins 500 est égal à 0. On peut diviser les deux côtés de l'équation par 5. 0 divisé par 5, ça reste 0. Et à gauche, on obtient t au carré moins 6t moins 100 égale à 0. Alors, si tu te souviens bien, ou si tu es allé voir les vidéos sur Khan Academy pour te rafraîchir la mémoire, tu sais que les racines, c'est-à-dire les solutions de cette équation, sont t égale à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Alors dans cette expression, a, b et c sont les facteurs présents dans l'équation du second degré. Donc a est le facteur placé devant t au carré, donc ici ce sera 1. b est le facteur placé devant t, donc ici c'est moins 6. Et c est la constante. Dans notre cas, c'est moins 100. Eh bien, on va faire l'application numérique. Donc t est égal à moins b, c'est-à-dire moins moins 6, ce qui nous fait plus 6. Plus ou moins racine carrée de b au carré, c'est moins 6 au carré, donc 36. Et 4ac, donc moins 4, fois a, c'est 1, fois c, c'est-à-dire moins 100. Et au dénominateur, on a 2 fois 1. Alors on va simplifier un peu tout ça. On a donc t est égal à 6 plus ou moins racine carrée de 36 plus 400 et le tout divisé par 2. Ou encore 6 plus ou moins racine de 436 le tout divisé par 2. Alors là, il va nous falloir une calculatrice pour calculer les deux valeurs possibles on a la valeur avec le plus devant la racine carrée et la valeur avec le moins devant la racine carrée. Alors, je parlé de la calculatrice, tu peux vérifier de ton côté, on obtient les deux valeurs suivantes, alors ce sont des valeurs approximatives, on obtient 13,44 secondes et moins 7,44 secondes. Alors là, attention, donc là, ça c'est le résultat mathématique, mais ici, on est en physique. Et en physique, on sait que le temps n'est pas négatif, ne peut pas être négatif. Et là, comme on, ce qu'on cherche, c'est un temps, eh bien, la solution moins 7,44 n'est pas possible, donc on peut l'éliminer. Et il nous reste donc comme réponse, comme solution, que t ou delta t est environ égal à 13,44 secondes. Et eh bien voilà qui est intéressant. Tu te souviens peut-être que dans la première vidéo, lorsqu'on lâchait simplement le galet, sans vitesse initiale, le galet mettait... 10 secondes à arriver jusqu'en bas, sachant qu'on néglige la résistance de l'air car c'est un petit objet. Mais lorsque l'on lance le galet vers le haut à 30 mètres par seconde, il lui faut environ 13,5 secondes pour atteindre le sol. Il lui faut donc un peu plus de temps. Eh bien, c'est logique, non Tu vois ici, comme je l'avais dessiné, le galet va d'abord s'élever dans les airs, puis redescendre. Donc il parcourt une distance plus longue que le galet. Lâcher directement sans vitesse initiale. Il paraît donc logique que le temps nécessaire ici soit supérieur au temps nécessaire là. Si tu avais obtenu une durée plus courte, alors cela aurait dû te mettre la puce à l'oreille et t'amener à refaire tes calculs. Car ce n'est pas logique que le galet mette moins de temps alors qu'il est lancé vers le haut. J'espère qu'après ces quatre vidéos, les exercices de lancer de projectiles te paraissent plus abordables et tu as maintenant à ta disposition toutes les formules nécessaires pour résoudre les problèmes élémentaires de lancer de projectiles. Il reste encore une vidéo à venir dans celle-ci je te ferai encore un exemple de résolution de problème. Donc je te dis à très vite.